in second place, you can C'est difficile de se faire des scénarios en début de journée parce que je trouve que ça peut juste... tu te retrouves trop loin dans ton processus. Puis d'être en haut, quand je réalise que Michael n'est pas là, que je suis le seul Canadien, on dirait que la pression, en fait, c'est devenu un petit peu plus vrai que d'habitude. On dirait qu'à toutes les fois que j'étais en super, j'avais Michael avec moi en haut. En France, c'est sûr que tu sais, je suis en haut de la piste, j'entends pas personne crier, j'arrive en bas, il n'y a pas une foule qui crie. Mais là, je suis en haut, j'entends crier, j'arrive en bas, puis je m'amuse un peu avec la foule, avec les bras, tout le monde se met à crier. C'est une énergie que j'absorbe, puis c'est vraiment complètement capoté. Puis de faire un câlin à mon père, puis à ma mère, puis toutes mes amies qui sont là juste en bas de la piste après, ça rend l'expérience un petit peu plus savourante, je dirais. C'est poche parce que, tu sais, je me mets des grosses attentes, j'ai des bons résultats. Je vais le faire, tu sais, mon pire résultat de la saison à la maison, c'est dommage, mais... Garde la tête haute, puis on a une autre opportunité demain, puis je suis pas inquiète. Je suis vraiment fière de moi. J'ai eu un début de saison difficile. Puis vraiment, pour moi aujourd'hui, le but c'était de ramener ça à pourquoi je skie. Je skie parce que j'aime ça, parce que j'ai du fun. Donc c'était vraiment de ramener ça au sentiment de base. Puis en plus, bien skier devant la famille, devant les amis, là, ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment entendre tout le sport, c'est vraiment génial.